Bonjour à tous, c'est 35Dobby pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la décoration, de la décoration essentiellement intérieure. Je vais pas vous montrer l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai créé un abri plutôt très simple. Voilà, hein, j'ai mis beaucoup de luminosité pour un minimum de quelque chose, quoi, que ce soit plutôt potable. Donc voilà, je vais commencer tout de suite, sans plus tarder, par un petit salon, comme on l'a dit dans le titre. Donc je vais commencer par faire première astuce, que vous peut-être que vous connaissez déjà. Pour faire une plante. Voici une façon de faire une plante. Faut pas sortir ça trop du truc. Faut plutôt voir le côté comme ça. Voilà, parce que là, vous voyez pas, ça s'accroche au mur. Mais évidemment, ça va être un peu dur. Voilà, je galère pour mettre un pauvre bloc. Voilà, faut voir plutôt comme ça. Ça fait comme un. Je vais pas dire un palmier, mais bon, voilà quoi, ça ressemble à quelque chose. Deuxième sorte de plante. Ah, petit problème. Deuxième sorte de plante aujourd'hui. C'est une plante qui fait un peu plus moderne. Ouais, je veux dire qu'elle fait moderne. Ouais. Elle fait très. Ça fait plus bureau, grande entreprise, tout ça. Bien sûr, il faut rajouter des trappes pour faire l'effet pot. Ou bien un panneau. Voilà, un panneau, c'est plutôt joli. À vous de voir lequel des deux vous préférez. Personnellement, je préfère celui-là, mais j'ai pas envie de vous influencer là-dessus. Je vais continuer tout de suite sur la télé. La télé, il faut savoir qu'il y a différentes et multiples façons de faire une télé. Je vais commencer avec Là, je me perds avec ces trucs-là, ce nouveau inventaire là. Voilà, je trouve. Ils ont mis le coffre dans les blocs décoratifs, c'est un peu fouillis, mais bon. Il y a 10 000 et une façons de faire une télé dans Minecraft. Je vais vous en montrer une technique. Après, si. Oh putain. Si vous avez besoin de faire. Si vous voulez faire une télé, vous aussi, et que je vous apprenne de nouvelles façons d'en faire, vous me le dites, et il n'y a pas de problème, je referai une vidéo, un nouveau DécoCraft sur les télés, il n'y a vraiment pas de problème. Je vous fais un spécial télé, et puis voilà. C'est ici qu'arrive ma petite astuce. Vous cassez les deux blocs ici, vous mettez n'importe quel escalier, n'importe quelle demi-dalle. Bon, je vais mettre voilà de la sandstone pour vous montrer. Et un petit tableau. Oh bah je suis tombé direct dessus, j'ai vraiment de la chance. C'est parfait. Et donc vous avez votre télé. Avec possibilité d'ouvrir le coffre en dessous. C'est plutôt bien. On va avoir une nouvelle astuce. La table basse. La table basse qui se fait de la manière suivante. Avec une demi-dalle. Maintenant qu'ils ont rajouté deux demi-dalles de bois différents, on va en profiter. Notez que j'ai fait ma maison en bois de sapin et pas en planche normale. Je vais passer au canapé. Le canapé, c'est. Il y a aussi multiples façons de faire des canapés. Hein. Je pourrais vous montrer ça dans une vidéo. Dans une prochaine vidéo. Je vais prendre tiens, de la laine marron. Après, vous mettez n'importe quel type de laine. Je vais plutôt faire comme ça, tiens. En fait, il y a multiples façons de faire tout et n'importe quoi dans Minecraft. Minecraft, c'est plein de façons de faire des choses. Plutôt belles en plus, des fois. Passons ensuite à la chaîne Hi-Fi. La chaîne Hi-Fi se fait
Comme ça, donc avec, hop, je prends tout ce dont j'ai besoin. Et bien sûr, le plus important, le jukebox. Donc, il faut savoir que jukebox, si vous ne connaissiez pas avant, c'est un bloc qui fait de la musique dans Minecraft, donc avec un CD que vous insérez dedans. Donc, je vais le faire pour vous montrer. Divers, allez hop, un CD au hasard. Voilà, ça vous met de la musique. Alors, donc pour rendre ce jukebox encore plus chenifi, vous faites comme ça. Donc certains s'arrêtent ici, et moi j'aime bien rajouter des petits boutons dessus. Comme ça donne un aspect un petit peu plus enceinte avec, vous voyez le gros truc rond au milieu, bah c'est un peu ça. Et comme on est dans Minecraft et que c'est carré, bah, vous mettez ça. Mais bien sûr, c'est inutile, hein. Ça vous fait pas plus de musique, pas plus de choses d'autres. Donc je vais passer à une nouvelle, à encore autre chose. Donc pour faire un si, je vais avoir besoin de la sandstone, si je la trouve. Bah d'une demi-dalle de grès, voilà, ils appellent ça comme ça. Ou sandstone pour les joueurs vraiment qui jouent depuis, qui jouent en anglais. Donc c'est pour faire une litière pour votre chat, parce que maintenant il y a les chats, ou votre loup. Donc après par contre pour le faire aller dessus, alors là je vous dis pas, vous faites vous faites comme vous pouvez, hein, mais c'est super dur de le faire aller dessus, hein, parce que c'est pas vous, hein. Donc je vais juste vous montrer une dernière petite astuce. Donc non, je vais pas virer ma litière, je vais faire ça ici. Donc alors, pour faire une étagère, sans faire deux épaisseurs. Donc l'étagère sans faire deux épaisseurs, c'est ainsi. Voilà. Avec les indispensables portes. Et vous avez votre étagère. Maintenant, si je vais de l'autre côté, vous ne constatez aucune différence. Il n'y a rien du tout entre le mur et il y a une épaisseur, et pourtant de ce côté-là, et voilà, on voit ça, ça fait une étagère très jolie. Bon, vous ne pouvez rien ranger dedans, hein, fallait pas rêver non plus. Donc voilà. Donc bah je pense que c'est à peu près tout pour les salons. Donc je vous laisse le soin de tester ça par vous-même dans votre salon. Donc c'était DecoCraft et 35 Dobby. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement sur DecoCraft aussi. Allez, à plus! Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, et abonnez-vous à ma chaîne!